Bonjour à tous, arithmétique. Avec la divisibilité dans Z, on prend N, un entier ratif différent de 3. L'objectif est de trouver les valeurs, justement, de cet entier, tel que N-2N N² plus 9 sur N-3 est un entier. Et je vous propose une méthode de résolution par analyse-synthèse. Autrement dit, on va essayer de réduire les possibilités pour N et on va tester, justement, toutes les. Euh, valeur possible qu'on a dégagé de cette première partie, c'est un raisonnement qu'on appelle analyse synthèse donc première étape, donc on va prendre euh, évidemment soit n appartenant à donc c'est un relatif différent de 3 donc il est dans z privé de moins 3 et donc première partie, on va regarder un petit peu ce qu'on peut dire de tout ça donc supposons supposons que n moins 3 alors on va traduire le problème. Hein. Supposons que n carré moins 2n plus 9 sur n moins 3 appartiennent à z, un entier. Donc ça veut dire que n-3 divise n carré moins 2n plus 9. D'accord là, on arrive sur la partie combinaison linéaire à coefficient entier. Je vais hein, évidemment vous donner un indice, parce que ça, c'est quand même pas évident à trouver tout seul. Et on va regarder. Donc ici j'ai n carré moins 2n plus 9. Et je vais essayer d'enlever un certain nombre de n-3 pour avoir ici un résultat qui est plus simple que n-2n 9. C'est-à-dire qu'on va essayer de se débarrasser d'abord des n. Regardez ce que ça donne. Alors si je veux dégager les n2, je vais faire moins n fois ça, vous voyez. Donc là pour l'instant, n moins 2n plus 9, moins n 2 3n. Les n carrés sont disparus, mais il me reste n plus 9. Donc l'idée ça serait de te débarrasser aussi de ce n en même temps. Donc je ne vais pas multiplier par n, je vais rajouter juste quelque chose pour qu'apparaisse un moins n, et eh bien je vais juste mettre un plus 1. Comme ça, j'ai un plus n qui va apparaître. Regardez ce que ça donne. J'ai n carré moins 2n plus 9. Moins n carré. Plus n, moins 3n, moins 3. J'enlève les parenthèses. n carré moins 2n plus 9, moins n carré moins 2n, donc plus 2n, moins 3 fois moins 1, plus 3. Et donc ici, les n carrés disparaissent, et les moins 2n s'annulent. Il me reste 12. Donc ici, je viens de trouver une combinaison de n carré moins 2n plus 9 et de n moins 3. Combinaison à coefficient entier. Les coefficients hein, ici, c'est donc 1, ça appartient à z, et donc n plus 1, ça appartient bien à z, c'est un entier plus 1, et cette combinaison est de vaut 12. Et là, qu'est-ce qu'on va dire Eh bien, on a supposé donc que n carré moins 2n plus 9 était divisible par n-3. On sait aussi que n-3 est divisible par n-3. Donc, d'après le cours, n-3 va diviser toute combinaison à coefficient entier de ces deux expressions. Combinaison, elle est là, hein, d'accord, combinaison linéaire à coefficient entier, de n carré 2, n plus 9 et de n plus 3. Donc n-3 divise cette combinaison qui vaut 12. Donc n-3 divise 12. Conclusion, n-3 appartient au diviseur de 12, alors ça peut être divisé positif ou négatif. 1, 2, 3, 4, 6, 12, et moins 1 moins 2, moins 3, moins 4, moins 6, moins 12. Hein. Il y a quand même du travail. Maintenant c'est n-3, donc si je veux n, ça veut dire que n appartient obligatoirement. Je rajoute 3 à tout le monde. Donc je vais peut-être partir de moins 1, moins 1 plus 3. Plus 3, ça fait 2. Moins 2 plus 3 ça fait 1. Moins 3 plus 3. 0, 4 plus 3. Moins 4 plus 3. Donc ça fera moins 1. Moins 6 plus 3, moins 3, moins 15. Et les autres, je rajoute 3. Donc 4, 5, 6, 7, 9 et 15. Ça veut dire que si elle est solution de mon problème, il est là-dedans. Il n'y a pas d'autre solution possible que ces nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 solutions possibles, 12 solutions potentielles, mais qui ne sont pas forcément des solutions. Parce qu'on a supposé des choses, qu'on a raisonné aussi par implication. Donc, on vient de restreindre l'ensemble possible des solutions à 12 candidats. On a 12 candidats pour les solutions. Et bien maintenant, comment... Euh, allez, faire la différence, eh c'est l'affaire de la deuxième partie qu'on appelle la synthèse. On teste en fait, on teste les douze candidats, alors qu'on va appeler plutôt ici des douze solutions potentielles. Et donc on a pas mal de calculs à faire. J'ai travaillé donc avec ceci, donc j'ai fait une code pour les n, les n carré moins 2, n plus 9, les n-3, je regarde ici tous les nombres qui sont, qui donnent des coefficients entiers, avec le premier que je, je vois c'est en moins 9. Alors je me suis aperçu d'une petite erreur ici, j'avais mis moins 15, faites attention, c'est moins 9, c'est tout. Le reste coïncide bien à ce qu'on a trouvé, j'ai surligné ici en jaune les valeurs de n pour lesquelles on avait un quotient qui était entier. D'accord et donc, j'ai rempli le tableau avec ça, et je trouve tout ça. Effectivement, dans les 12 cas, eh bien, on a toujours hein, les 12 cas qui sont solutions. Donc, les 12 valeurs, un potentiel, sont solutions. En conclusion, les solutions sont toutes celles que j'ai écrites ici. Donc, je vais les réécrire une fois. De 1, 0, moins 1, moins 3, moins 9, 4, 5, 6, 7, 9 et 15. Et on a terminé cet exercice. Alors la méthode que j'utilisais là, c'est donc un raisonnement par analyse synthèse. C'est-à-dire que vous voyez qu'on vérifie les solutions testées parce qu'on a raisonné par implication. Avant que certains me disent qu'il y a plus court, je vais quand même vous donner le raisonnement le plus court qui m'intéresse moins au niveau logique, mais qui est beaucoup plus efficace. Ici, on décompose donc n carré moins 2n plus 9. C'est hein, la même idée, on a ce 12 qui apparaît. On va séparer en deux ici, quotient. Donc j'aurai ici n-3 se simplifie, appartient à z. Autrement dit, n-3 appartient au diviseur de 12. Et c'est une équivalence qu'on a ici. Donc C'est important parce que ça permet d'éviter de vérifier les solutions. Donc ça, c'est un raisonnement qu'on appelle par équivalence. Pas toujours faisable. Ici, ça se fait très bien. D'accord donc, une fois que vous avez ça, vous voyez qu'il y a juste les diviseurs de 12, et après vous n'avez qu'à rajouter 3. Voilà pourquoi les 12 solutions que j'ai trouvées, en fait, bien fonctionnaient. Mais voilà une autre façon de raisonner qui est différente, peut-être plus intuitive celle-ci. Mais moi, j'essaie d'amener des choses aux élèves. Donc là, c'était un raisonnement par synthèse. Mais vous voyez que ce raisonnement plus court fonctionne très très bien et très efficace. Il serait déjà un petit peu plus, peut-être, au niveau de cette équivalence. Mais voilà l'idée. Donc, avis aux amateurs vous pouvez toujours essayer de trouver des raisonnements par équivalence. C'est un peu l'objectif de cette année de terminal Math expert, c'est d'aller un peu creuser ces liens logiques entre les implications et les équivalences. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.